de calendrier, le directeur général de l'école, M. Michel Rollin, ne pouvait pas venir. Et donc, quand il m'a demandé si je voulais revenir à Oujda, c'est avec un grand enthousiasme que je lui dis bien sûr. Donc, je suis le représentant aujourd'hui de l'école. Donc, bonjour au nom de toute l'équipe de l'ESC Saint-Étienne. Frédéric Richard, je suis enseignant-chercheur en stratégie et en management. J'ai monté, et j'en parle parce qu'il est dans le discours royal de Paris, il en est fait état. J'ai monté un master qui s'appelle Master Management et Développement Durable que nous ouvrons en octobre. Et j'interviendrai auprès de nos étudiants l'année prochaine sur ces thématiques quand ils seront à Saint-Étienne. Donc ça fait deux fois que je viens à Oujda. La première fois était en février. J'en garde un très bon souvenir. Je suis venu donner des cours en sociologie de l'entreprise à des étudiants et aux étudiants diplômés aujourd'hui. Alors, ce fut pour moi une très belle rencontre avec l'équipe, toute l'équipe en fait de l'ESCG, de la Chambre de commerce et d'industrie. J'ai vu des étudiants, j'ai rencontré des étudiants sérieux. Donc, je retrouve ce que j'ai senti dans l'appellation de leur donner. J'ai trouvé des étudiants dynamiques et très motivés. J'ai pu voir que les étudiants possèdent tout le savoir-faire et tout le savoir-être tant recherché par les entreprises. Je voyage assez régulièrement pour des conférences, pour donner des cours, pour la recherche. Et entre nous, je dois avouer que j'ai rarement été aussi bien reçu qu'à Oujda. J'ai été très très bien accueilli. Alors, je me sentais la charge, en contrepartie, d'être un nouvel ambassadeur de Oujda et de la région de l'Oriental. Donc, j'ai parlé autour de moi à l'ESC Saint-Étienne et dans ma région de tout le potentiel humain et le potentiel de développement qu'offrent Oujda et la région de l'Oriental, sur lequel je me suis beaucoup documenté et sur lequel j'ai bien avancé dans ma connaissance. Alors, pour en revenir aux étudiants, les stars du jour, pour commencer par ceux qui vont venir à Saint-Étienne, donc sachez que vous êtes très attendus à Saint-Étienne, qu'il y a une équipe qui est mobilisée pour organiser votre arrivée et votre vie sur place. Tout est mis en œuvre pour que votre expérience stéphanoise soit la meilleure possible. Je vous retrouverai, comme je vous l'ai dit moi-même, en cours, et donc vous n'en avez pas fini avec les « et hop là ». Donc, sachez qu'avec l'équipe, je serai des personnes de support et mon bureau sera toujours ouvert. Alors, je n'oublie pas les étudiants pour autant qui, pour différentes raisons, ne viendront pas à Saint-Étienne. Il ne faut pas qu'ils s'en fassent, ils auront d'autres expériences, comme c'est en réservé une vie et une carrière. Et puis, on ne sait jamais, qui sait, viendront-ils plus tard comme des recruteurs, des partenaires ou simplement des visiteurs, et il faut savoir qu'ils seront toujours bien les bienvenus. Donc au nom de l'ESC, je leur souhaite le meilleur pour eux et leur famille. Pour les étudiants qui viendront, je leur assure aujourd'hui, nous les assurons que le meilleur accueil, que nous les accompagnerons vers leur réussite. À titre personnel, encore une fois, à titre personnel, je voudrais vous dire à quel point je suis heureux et fier d'être en votre compagnie, et que j'espère revenir assez rapidement.